Il avait prévu de frapper l'un des lieux symboliques de San Francisco, Pier 39. Un ancien marine voulait commettre un attentat sur cette jetée très fréquentée la semaine avant Noël pour faire un maximum de victimes. Ce chauffeur routier converti à l'islam, sympathisant du groupe État islamique, a été interpellé ce vendredi par le FBI. Je suis sous le choc. C'est mon fils. Je ne l'ai pas vu venir. Pas sur le coup, vous voyez ce que je veux dire? Je lui disais, tu te prends pour un musulman, vous voyez ce que je veux dire? Des choses comme ça. Et il répondait, non papa, tu sais, on est gentil, on n'est pas comme ça, je ne fais que prier. L'homme qui voulait se servir d'explosif a confié ses intentions à un agent sous couverture. Il a été présenté au juge ce vendredi. La perquisition de son domicile a permis au FBI de mettre la main sur son testament qui précisait ses dernières volontés, ainsi que sur plusieurs armes et des munitions.